Funding for this program was provided by the Annenberg CPB Project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Over their third aperitif, Robert and Mireille are discussing education. Robert dismisses school learning as useless. Mireille springs to the defense of education and culture. Neither seems to notice that a strange man in black has taken an interest in their conversation. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. Robert et Mireille sont encore à la terrasse de la closerie des Lilas. Ils sont en train de boire leur troisième kir. Alors comme ça, vous trouvez qu'on enseigne beaucoup de choses inutiles? Et quoi, par exemple? Ben, je ne sais pas, moi. Presque tout. Prenez les mathématiques, par exemple. La géométrie, la trigonométrie, le calcul intégral, le calcul différentiel. À quoi ça sert, tout ça? Une fois qu'on sait faire une addition, une soustraction, une multiplication, une division, c'est tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, maintenant, avec les petites calculatrices électroniques et les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Ben oui, mais enfin, les ordinateurs, il faut quand même les programmer. C'est la même chose pour la chimie. Toutes ces formules, à quoi ça sert? Je vous le demande. C'est peut-être bon si on veut être distillateur ou pharmacien, ou pour raffiner de l'héroïne. Mais à part ça... Ça peut aussi servir si on veut fabriquer des explosifs. Malheureusement, moi j'ai toujours eu de mauvaises notes en chimie. J'ai toujours eu horreur de la chimie. Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. La chimie, c'est la cuisine du diable. C'est la même chose. À quoi ça vous sert de connaître la loi de la chute des corps quand vous tombez d'un balcon? Il faut savoir que quand il avait 10 ans, Robert est tombé d'un balcon à la Nouvelle-Orléans et qu'il est resté 3 semaines à l'hôpital. Et le latin? Vous avez fait du latin, n'est-ce pas? Oui, 6 ans. Depuis la 6e jusqu'en première. Bon, eh bien, est-ce que vous parlez latin? Ben non, pas vraiment. Non, bien sûr. Vous avez fait 6 ans de latin, mais vous ne parlez pas latin. D'ailleurs, même si vous parliez latin, avec qui est-ce qu'on peut parler latin? Je vous le demande. Même au home latin, en plein quartier latin, on ne parle pas latin. Ave janitor. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français, et puis pour la discipline intellectuelle. Discipline intellectuelle. Discipline intellectuelle. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Si vous voulez mon avis, faire des mots croisés au GeoBridge est plus utile comme exercice mental. Mais enfin, quand même, il y a une belle littérature latine. Ah là là, la littérature, c'est de la fiction, des mensonges, rien que des choses qui n'existent pas. Toute cette mythologie, est-ce que ça existe? Vous en avez vu, vous, des sirènes et des centaures? Et puis, qu'est-ce qui a jamais parlé en vers, comme dans vos tragédies classiques? La la la, la la la, la la la, la la la. Allons, voyons, c'est ridicule. C'est artificiel, il n'y a rien de plus artificiel qu'une tragédie classique. Même les romans, ce n'est pas de la vie, c'est de la fiction. Mais alors, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'histoire? Au moins, ça, ça parle de gens réels, de gens qui ont vécu. Des gens qui ont influencé les événements. Ah, si vous croyez que l'histoire vous dit la vérité, vous vous trompez. L'histoire s'est arrangée pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. Votre pays a toujours raison et les autres ont toujours tort. Mais alors les langues modernes, ça au moins, c'est utile, non? Pas comme on les enseigne, avec toutes ces conjugaisons, ces déclinaisons, ces listes de vocabulaire. C'est ridicule, ça ne sert à rien. On apprend des règles de grammaire pendant 4 ans et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. Enfin, j'exagère. J'ai eu de très bons professeurs d'allemand.
mais je ne sais pas demander à quelle heure le train arrive. C'est vrai que vous exagérez. Vous êtes amusant, mais vous exagérez. D'ailleurs, tout le monde a toujours été contre l'éducation qu'il a reçue. Heureusement que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oh, est-ce que vous êtes sentencieuse quand vous vous y mettez? Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? C'est parce que je suis sentencieuse que vous voulez m'inviter à déjeuner? Non, c'est parce que j'ai faim, parce qu'il va être midi. Parce que je crois que vous devez avoir faim, vous aussi. Que la conversation m'intéresse et que tu veux la continuer. Ça fait beaucoup de bonnes raisons, mais je ne peux pas accepter. Je rentre tous les jours déjeuner à la maison. C'est dommage. Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Il est midi moins cinq. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. Ah non, 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 ne vous dérangez pas, à bientôt. Au revoir. Bon, maintenant, Mireille vient de partir. Elle vient de quitter la Closerie des Lilas. Mais au début, où sont Mireille et Robert? Ils sont encore à la terrasse de la Closerie. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils y sont. Ils ont eu le temps de boire deux kirs. Et maintenant, ils boivent leur troisième kir. Ils sont en train de boire leur troisième kir. Regardez Marie-Laure, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'apprendre sa leçon. Et M. Bello ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de lire le journal. Et là, qu'est-ce que les Bello font? Ils sont en train de manger. Robert et Mireille sont à la terrasse de la Closerie des Lilas. Ils sont en train de boire leur troisième kir. Et Robert est en train de critiquer l'enseignement. Alors comme ça, vous trouvez qu'on enseigne beaucoup de choses inutiles? Mais quoi, par exemple? Ben, je ne sais pas, moi. Presque tout. Ils critiquent tout. Enfin, presque tout. Regardez Marie-Laure. Est-ce qu'elle a fini ses devoirs? Pas tout à fait. Presque. Tu as fini tes devoirs? Presque. Ça y est, j'ai fini. Et ici, elle a mangé presque tous les chocolats. Tu as mangé tous les chocolats? Non, pas tous. Oui, enfin, presque tous. Robert critique les maths. Il dit que ça ne sert à rien. La géométrie, la trigonométrie, le calcul intégral, le calcul différentiel. À quoi ça sert, tout ça? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas utile. Un crayon, oui. Un crayon, ça, c'est utile. Un crayon, ça sert à écrire. Un tire-bouchon, c'est utile. Ça sert à déboucher les bouteilles. Un couteau, c'est utile. Ça sert à couper. Une montre, c'est utile. Ça sert à savoir l'heure. Des lunettes, c'est utile. Parce que ça sert à lire. Mais une cravate, ce n'est pas utile. Ça ne sert à rien. Et les mathématiques, c'est comme la cravate. Ça ne sert à rien. Enfin, Robert dit que ça ne sert à rien. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Les maths me paraissent très utiles. Qu'est-ce que vous pensez des maths? Est-ce que c'est utile? Très utile. Tu crois que c'est utile, les maths? Oui, je pense bien. Bien sûr, il faut savoir faire les additions. Vous savez faire une addition? Moi, oui. Moi, je sais faire les additions. Tenez, regardez. 28 plus 14, par exemple, 8 et 4, 12, je pose 2 et je retiens 1, 2 et 1, 3, et 1, 4, 42. Il faut aussi savoir faire une soustraction. 32 moins 16, 6 sauté de 12, ça fait 6, et je retiens 1, 1 et 1, 2, ôté de 3, reste 1, ça fait 16. Il faut savoir faire aussi une multiplication. 43 multiplié par 12, par exemple, ça fait 2 fois 3, 6, 6, 2 fois 4, 8, 1 fois 3, 3, 1 fois 4, 4, 6, 8 et 3, 11, 4 et 1, 5. Il faut aussi savoir faire une division.
436 divisé par 8, voyons, ça fait en 43 combien de fois 8 5 fois 8, 40. 5 fois 8, 40, ôté de 43, reste 3, j'abaisse le 6. 36, en 36 combien de fois 8 4 fois 8 fois 4, 32, oui. 4 fois 8 fois 4, 32, ôté de 36, reste 4. Ça fait 54 et il reste 4. Bah moi, mon pote, je sais tout faire. Il faut savoir faire les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il faut, ça suffit. Et d'ailleurs, maintenant, avec les petites calculatrices électroniques et les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. D'ailleurs, maintenant, avec les petites calculatrices et les ordinateurs, ce n'est plus la peine d'apprendre à compter. Ce n'est pas la peine. C'est inutile. Ce n'est pas nécessaire d'apprendre à compter. Ce n'est pas la peine. Merci quand même. C'est pas la peine de me remercier. D'après Robert, la chimie non plus ne sert à rien. Toutes ces formules, à quoi ça sert? Je vous le demande. C'est peut-être bon si on veut être distillateur ou pharmacien, ou pour raffiner de l'héroïne. Mais à part ça... C'est peut-être utile si on veut être distillateur, si on veut distiller l'alcool ou des parfums, ou si on veut raffiner de l'héroïne. L'héroïne, c'est une drogue comme la cocaïne, le haschich, l'opium, tout ça. La chimie, c'est peut-être utile si on veut raffiner du pétrole. Ou si on veut fabriquer des explosifs, des cocktails Molotov, de la dynamite, des bombes atomiques, tout ça. La chimie sert à tout un tas de choses. À quoi ça sert? Et ça sert à faire des produits pharmaceutiques, des teintures, beaucoup d'objets de la vie quotidienne. C'est amusant à regarder? La chimie sert à fabriquer des matières plastiques. Ici, on fabrique des wagons de train. Chez Citroën, on fabrique des autos. Et ça, c'est Mireille qui fabrique des explosifs. Malheureusement, moi j'ai toujours eu de mauvaises notes en chimie. J'ai toujours eu horreur de la chimie. Mireille n'aime pas la chimie. Elle a horreur de ça. Écoute, Elsa, si... s'il y avait quelque chose, tu sais bien que tu serais la première à qui j'en parlerai. Ça va pas, non? J'ai horreur de ce geste, c'est malin. Mireille a toujours eu horreur de la chimie parce que ça sent mauvais. Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. La chimie, c'est la cuisine du diable. Elle a horreur de la chimie parce qu'il y a toujours des acides qui fument. Ça fume, ça sent mauvais. Ça, ça sent bon. Les parfums, ça sent bon. La soupline aussi, ça sent bon. Et puis chez nous, tout le monde adore l'odeur de soupline et lavande. La moutarde, ça sent fort. C'est le verbe sentir. Écoutez, ça sent drôle. Ça sent drôle. C'est pas qu'ils sont comme ça? Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. La chimie, c'est la cuisine du diable. D'après Robert, la physique ne sert à rien non plus. À quoi ça vous sert de connaître la loi de la chute des corps quand vous tombez d'un balcon? En physique, on apprend la loi de la chute des corps. Mais si on tombe d'un balcon, ça ne sert à rien de connaître la loi de la chute des corps. Quand il avait 10 ans, Robert était avec ses parents à la Nouvelle-Orléans. Et il est tombé d'un balcon. Il est resté 3 semaines à l'hôpital. Regardez, lui aussi, il est tombé d'un balcon. Il a fait une chute. Ça aussi, c'est une chute. C'est une chute d'eau. C'est de l'eau qui tombe. Au lycée, on fait du latin. Mais, toujours d'après Robert, ça ne sert à rien d'étudier le latin. Parce qu'on l'étudie pendant des années, mais on ne le sait pas assez bien pour le parler. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français. Le latin est utile pour apprendre à mieux parler le français, par exemple. Autrefois, on parlait latin. Mais maintenant, c'est fini. On ne parle plus latin. Même au homme latin, on ne parle pas latin. Si vous dites bonjour au réceptionniste en latin... Ave Janitor. Il ne vous comprend pas. Et pourtant, le homme latin est au quartier latin. En plein quartier latin. Voilà Paris, voilà le quartier latin, et voilà le homme latin,
juste au milieu du quartier latin, en plein quartier latin, en plein. En plein dans le mille. Et regardez la balle, là, en plein dans le verre, en plein. Le Home latin est en plein quartier latin. Et pourtant, on ne parle pas latin au Home latin. Autrefois, les curés, les prêtres catholiques, disaient la messe en latin. Pater noster. Mais maintenant, ils disent la messe en français. Notre Père. Aujourd'hui, on n'apprend plus le latin pour parler latin, non. Mais on apprend le latin pour la discipline intellectuelle. Parce que c'est un bon exercice mental. Ça fait travailler la tête. Hein, ça fait travailler les méninges. La gymnastique, c'est un exercice physique. Apprendre le latin, c'est un exercice mental. Voilà un monsieur qui fait beaucoup d'exercices physiques, mais pas beaucoup d'exercices mentaux. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Vous me faites rire. Regardez Madame Bello. Elle lit Astérix et ça la fait rire. Et ici, tonton Guillaume saute à la corde et ça fait rire Marie-Laure. C'est trop gentil, ça. Alors qu'il y a quelque part, à coup sûr, un type qui serait ravi que vous lui fassiez cuire deux œufs sur le plat. Ah, vous riez. Oui, ça la fait rire. Ça les fait rire. Bon, maintenant, vous allez imiter Robert dans sa conversation avec Mireille. Écoutez bien ce que dit Robert. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français. Et puis, pour la discipline intellectuelle. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Maintenant, à vous. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français. Et puis, pour la discipline intellectuelle. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. D'après Robert, faire des mots croisés est plus utile comme exercice mental que d'apprendre le latin. Robert aime faire des mots croisés. À son avis, c'est un très bon exercice mental. Ça, c'est son avis. C'est l'avis de Robert. C'est son opinion. À son avis, à mon avis, à ton avis. Il est très gentil, Robert. À mon avis, tu devras l'épouser. Je te demande pas ton avis. Occupe-toi de tes affaires. À ton avis, celle-ci ou celle-là? À mon avis, celle-là. Alors, Manon, ça te plaît pas? Non. Ah, ben, je suis bien son avis. Robert critique la littérature latine. À son avis, ce n'est que des mensonges. C'est de la fiction. La mythologie, les sirènes, les centaures, ça n'existe pas. Ce sont des mensonges. Ce n'est pas vrai. Maman! Marie-Laure a encore mangé tous les biscuits! C'est pas vrai! C'est un mensonge! C'est pas moi! Tu es encore en train de manger des chocolats. Moi, non, je ne mangeais pas de chocolat, je travaillais. Ah oui? C'est vrai ce mensonge? Marie-Laure dit qu'elle travaillait, mais c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. D'après Robert, les tragédies classiques, c'est ridicule, parce que tout le monde parle en vers. Les tragédies sont en vers. Voilà des vers, et voilà de la prose. La littérature, les tragédies classiques, les romans, c'est artificiel, c'est de la fiction. Alors pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'histoire? Au moins, ça parle de gens réels, de gens qui ont vécu, de gens qui ont influencé les événements. L'histoire parle de gens réels. Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon, ce sont des gens réels, des gens qui ont vécu. Maintenant, ils sont morts, mais ils ont vécu. Du verbe vivre. C'est le passé composé de vivre. Vivre, ils ont vécu. Pantagruel, ce n'est pas un personnage réel, c'est de la fiction. Il n'a pas réellement vécu.
Mais Louis XIV, c'est un personnage réel, un personnage historique. Il a réellement vécu. Il a eu une influence sur les événements de l'histoire. Si vous croyez que l'histoire vous dit la vérité, vous vous trompez. L'histoire s'est arrangée pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. L'histoire ne dit pas la vérité. L'histoire s'est arrangée, s'est manipulée. L'histoire déforme la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est la vérité? Il y a plusieurs vérités. Il y a une vérité française, il y a une vérité allemande, une vérité américaine, une vérité russe. Enfin, on peut dire que la vérité, c'est le contraire du mensonge. Mensonge, vérité. Mais tout le monde voit la vérité d'une façon différente. Vous savez comment les Français représentent la vérité? Ils représentent la vérité comme une jeune femme nue qui sort d'un puits et qui tient un miroir. Ça, c'est la vérité au palais de justice à Paris. Robert critique l'histoire. Mais il critique aussi les langues modernes, parce qu'on les enseigne mal. On enseigne les conjugaisons, on enseigne les déclinaisons, on enseigne les règles de grammaire, mais les étudiants ne sont pas capables de dire deux phrases compréhensibles. Robert n'est pas capable de demander à quelle heure le train arrive. Et vous? Vous savez demander à quelle heure le train arrive en français? À quelle heure le train arrive? Très bien. Vous savez demander à quelle heure le train arrive. Robert est contre tout. Rien ne lui plaît. Et vous? Vous êtes contre l'éducation ou vous êtes pour? Ça vous plaît d'étudier? Le travail, vous êtes contre ou vous êtes pour? Et l'art, les artistes, vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous êtes un artiste. J'oubliais. Qu'est-ce que vous avez contre les artistes? On en a besoin. Robert, lui, est contre tout. Il critique tout. Il fait un petit numéro pour impressionner Mireille. Robert exagère dans la critique de l'éducation qu'il a reçue. D'ailleurs, tout le monde a toujours été contre l'éducation qu'il a reçue. L'éducation qu'il a reçue, reçue, c'est le verbe recevoir. On reçoit une éducation, on reçoit un paquet. Tenez, regardez Mireille ici, elle reçoit un paquet. On reçoit des cadeaux, on reçoit des lettres. Maintenant, écoutez Mireille, elle va être un peu pompeuse, un peu sentencieuse. Heureusement que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oh, est-ce que vous êtes sentencieuse quand vous vous y mettez? Généralement, Mireille n'est pas sentencieuse. Elle parle normalement, simplement. Mais quand elle s'y met, quand elle commence à être sentencieuse, alors là, elle peut être très sentencieuse. Robert invite Mireille à déjeuner parce qu'il a faim. Il a faim. Marie-Laure a faim. Elle mange parce qu'elle a faim. Mais ici, elle n'a pas faim. Eh bien, mange! Je n'ai pas faim. Elle n'a pas faim. Voilà encore quelqu'un qui n'a pas faim. T'as pas faim? Vous voulez vraiment pas un croissant? J'ai pas faim. J'ai faim, je n'ai pas faim, c'est l'expression avoir faim. Robert a beaucoup de bonnes raisons pour inviter Mireille à déjeuner, mais elle ne peut pas accepter parce que ses parents l'attendent pour déjeuner à midi. Il est déjà midi moins 5, elle va être en retard. Alors elle se lève et elle s'en va. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, il faut que je file. Observez, Robert a invité Mireille. Robert l'a invité. Et maintenant, il a invité Mireille et Colette. Il a invité Mireille et Colette, il les a invités. C'est intéressant, hein? Bon, maintenant, regardez, réfléchissez et parlez. Chez Citroën, qu'est-ce qu'on fait? On raffine du pétrole ou on fabrique des autos? On fabrique des autos. Regardez ça. Ça sent bon? Non. Ça sent mauvais. Ça pue. Regardez. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur?
il est tombé d'un balcon. Le Home Latin, c'est loin du quartier latin? Non, c'est en plein quartier latin. Regardez Robert ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des mots croisés. À votre avis, faire des mots croisés, c'est un bon exercice physique? Non, mais c'est un bon exercice mental. Jeanne d'Arc, Napoléon, ce sont des personnages de fiction ou des gens qui ont vécu? Ce sont des gens qui ont vécu. Vous savez demander en français à quelle heure le train arrive? Qu'est-ce que vous dites si vous voulez savoir à quelle heure le train arrive? Vous dites... À quelle heure est-ce que le train arrive? Voilà, c'est ça. Regardez Marie-Laure ici. Est-ce qu'elle a faim ou est-ce qu'elle a mal aux dents? Elle a faim. Maintenant, regardez. Pourquoi est-ce que le professeur a toujours une cravate? À quoi ça sert? Je vous le demande. À rien. Pourquoi est-ce que vous avez toujours un bâton? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais c'est très utile, monsieur Robert. Mais non. Mais si. Ça ne sert à rien de discuter avec ces gens-là. Allez, je file. Au revoir, à bientôt.